Le ciel bleu sur nous peut s'effondrer. Oh là là, j'adore. Grande voix là. Et la terre. Wow, le trémolo. Peut bien s'écrouler. Peu m'importe si tu m'aimes. Je me fous du monde entier. C'est bien cadré. L'amour, ça te dépasse pas quand même, tu vois. Inondera mes matins tant qu'on corps. Ça, c'est une voix qui aura toujours un job. Mains. Elle aura dû travailler toute sa carrière. Peu m'importe les problèmes. C'est The Voice, je suis désolé. Mon amour, puisque. Moi, je parie que Mickaël y va, toi. J'irai jusqu'au bout non. du monde. Moi, je dis oui. Je me ferai teindre en blonde si tu me le demandais. On peut bien rire de moi, je ferai n'importe quoi si tu me le demandais. Ça chante nous bien. Nous aurons pour nous l'éternité. Dans le bleu de toute l'immensité, dans le ciel, plus de problèmes. Mon amour, crois-tu qu'on s'aime? Bonsoir. Bonsoir. Comment vous appelez-vous? Je m'appelle Louise. J'ai 23 ans. Est-ce que je peux te demander pourquoi tu as choisi cette chanson? C'était une des chansons préférées de ma maman. Ah. Qui est partie il y a 10 ans. D'accord. Je comprends mieux. Parce que j'ai trouvé ça extrêmement cadré. Tu as gardé l'élégance et la pudeur. Donc je comprends mieux, en fait, pourquoi tu avais cette, entre guillemets, réserve, en tout cas émotionnelle, par rapport à la chose. Je reconnais que je suis entièrement d'accord avec ce que te dit Zazie. Mais je suis là. On est à The Voice. Des voix comme la tienne, faut pas faire semblant, c'est pas banal. C'est trop rare de chanter avec une telle maîtrise. Voilà, techniquement, c'est du très, très haut niveau. En revanche, c'est que la pudeur en musique, on peut la mettre de côté. Ce sera jamais ridicule. On peut y aller. On peut y aller vraiment, tu vois. Comment tu vas déployer tes ailes, là? Et pour déployer tes ailes, je t'en supplie, il faut que tu fasses un effort. Alors, j'ai dit, cette chanteuse, cette voix, elle va travailler pour le reste de sa vie. OK? Et ça, c'est rare. Hein, c'est extrêmement rare. Comme retour, c'est énorme. Maintenant, tu veux faire un peu plus? Là, c'est le projet Ouverture de cœur. Et ben voilà, c'est ça. C'est une opération à cœur ouvert, The Voice. Qu'est-ce que ça t'inspire, là, ce qu'on te dit? C'est émotionnellement, tu sens bien que tu retiens des choses ou... Ce serait impossible de vous dire que je le sens pas. Bien sûr que je le sens. Tous les jours, quand j'ai un petit garçon, depuis récemment, et je chante pour lui et je chante pas de la même manière. Mais si vous voyez, il y a un indice, en fait. Parce qu'elle est habillée en noir, mais en dessous, il y a un petit peu de rose. Du rose. Je vois, il y a un petit peu de peps, il y a un petit peu de quelque chose un peu plus bold. J'espère juste que cette provocation de la mienne et de celle de Vianney t'autorise de sortir un peu plus de rose. Autorise-toi. Bon, elle va choisir qui. Moi, je pense qu'elle va prendre Vianney. Ouais, Vianney, Vianney ouais. Je suis pas sur Vianney parce que... Moi, je veux dire Mika par esprit de contradiction. D'accord. Bon, bah, c'est pas. Il n'y a pas de mauvais choix, je te jure. T'inquiète. Je sais qu'il n'y a pas de mauvais choix. Je vais aller de mon choix de cœur et des retours. Merci beaucoup, Mika, mais je vais choisir Vianney. Merci beaucoup. J'adore ce que tu as dit. T'es consciente et on va s'amuser. Le travail, il est pas technique, hein, t'as capté? Technique, c'est toi qui vas m'apprendre des trucs.
le reste, ouvrir un peu. Je vais essayer de faire quelque chose. D'accord ? Merci beaucoup. Ah, ils connaissent leur copine. Ah oui, bien sûr qu'on la connaît. Ça a bien fait de venir, vraiment. Ici, on ne veut que ton bien, je te jure. Allez, merci à toi. Repose-toi un peu, parce que t'as donné. Hein. Merci beaucoup. Ça va ? Bravo. Oh.